Bien sûr que le FC Nantes est un club prestigieux, populaire. Après, c'est une équipe qui connaît un début de championnat un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Il y a eu beaucoup de changements. Ils ont connu des malheurs contre l'Olympique de Marseille avec une succession de blessures rapides qui les ont obligés à s'adapter, à modifier l'équipe. Ils ont des forfaits. Ils ont Palois qui est suspendu, donc c'est assez particulier pour préparer ce match parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'en tenir en termes d'équipe proposée, même si on a vu le courage et la pugnacité de cette équipe en fin de match contre Marseille. Donc quoi qu'il arrive, il y aura une équipe compétitive en face de nous et qui aura les crocs et qui sera extrêmement, extrêmement motivée. Quand t'es le FC Nantes, après deux premiers matchs, Lille et Marseille compliqués, tu viens à 3, c'est pour t'imposer et pour redémarrer. C'est logique. Donc nous, on est prévenus. Par contre, il faut absolument qu'on ait toujours cette même fraîcheur, cette même humilité pour penser que chaque point pris est un point important. Après, bien entendu, que si la perspective de victoire se présente et s'offre à nous, il faudra la saisir. Mais bien avoir conscience que ce sera un match difficile, qu'on va affronter une bête un peu blessée et qu'on va avoir des Nantais déterminés face à nous. On espérait surfer sur notre dynamique de la fin de saison dernière, et c'est le cas. Notre équipe fait de très bons matchs, associés à un petit brin de réussite que peut-être ont les équipes qui sont dans une bonne dynamique, les équipes en forme. Donc ça, tant mieux, on essaye d'en profiter. Mais ce qui va nous permettre de faire durer cet état de fait, c'est qu'on ne change pas d'attitude, qu'on ne change pas d'état d'esprit, que l'on reste aussi rigoureux, aussi discipliné, autant humble, avec autant de respect par rapport à nos adversaires. Et c'est ce qui va nous permettre d'entretenir peut-être cette dynamique. Mais voilà, demain, on a besoin que nos supporters soient avec nous. On va avoir un match difficile. Et c'est vrai qu'il faut essayer de battre le fer pendant qu'il est chaud. On est dans une bonne dynamique et il faut essayer d'enquiller encore demain si l'opportunité se présente. C'est toujours particulier pour moi parce que c'est un club de cœur. J'y ai passé 7 ans de ma carrière sportive. J'ai fait mes débuts dans un staff auprès de Jean-Claude Ciaudeau, qui est quelqu'un que j'admire profondément, qui a beaucoup compté sur moi. Donc voilà, c'est toujours particulier de jouer le FC Nantes, mais je les ai joués déjà à maintes reprises, notamment lors de derby acharné avec le SCO d'Angers. Donc voilà, mais là, pour le coup, c'est un vrai plaisir de les affronter en étant coach de Ligue 1, forcément.